presse écrite, presse parlée, presse télévisée et presse en ligne, presse internationale. C'est vraiment un moment qui est décisif. Un moment qui est décisif dans l'histoire du peuple haïtien. Côté n'a vivre une situation qui n'est pas capable de tolérer encore. Une insécurité qui a pas le terrain. Nous avons un kidnapping qui a fait un pile de couler, qui a prêté deuil dans la famille haïtienne. Et puis nous en face, il y a une velléité pour nous retourner dans la question, ça nous est les dictatures encore. Les nous considérer, j'apprends si moun qui a 5 ans pour passer code dans la coule, pour tout faire. Les, peut-être l'argent parent ne peut pas payer, tandis que maman si moun a son petit machin de pistache. Les nous considérer, pas de pièces moun qui est exemple, je ne j'en dis dans la question de kidnapping ça. Yo kidnappé Ougan, yo kidnappé prêtre, yo kidnappé pasteur, yo kidnappé fidèle. Donc, il y a un état de peur qui blaille sur tout haïtien. Ou monte en camionnette, ou monte en machine, j'en à gauche, à droite, ou à regarder si c'est pas jour pour là. Donc, bagay ça nous dit nous pas capable de vivre li encore. Et pour finir, li doit prendre fin. C'est pour être ça nous-mêmes, dans le secteur protestant, gagner. Il y a une décision qui prend pour nous dire, peuple, on nous prend la rue pour nous aller manifester pacifiquement, sans violence. D'ailleurs, on est chrétien, on parle de violence. Donc, cette fois-ci, nous invitons toute couche sociale dans la société, pasteur, ougan, catholique, professeur, journaliste, avocat, tout le monde qui s'en est concerné, l'état important pour nous faire une marque de présence dans la rue. Plus que Madame Lalim te dit, marche dimanche 14, c'est 3000 personnes seulement. Ouais, ça veut dire qu'elle peut avoir assez de monde. Et bien, dimanche demain, nous allons mettre même 3 millions de gens pour nous y aller. Pas 3 millions encore, non. Nous allons mettre 3 millions de gens. Et puis, pour nous connaître. Avec. Moun yo placé sous tête pays ya, et que yo pa gagné pitié pour yes moun yo gagné affaire seulement avec un grand moun mais 11 millions 12 millions yo pa gagné yes pitié pour lui. Nous connaissons peuple américain, c'est un peuple moral ou yé canadien ou moral français, tendez bien la caille. Nous n'a parlé de démocratie, mais est-ce que dans le pays, nous, c'est un seul monde qui est élu qui a dirigé le pays. Nous. En Haïti, nous étions seulement un grand élu qui a dirigé le pays. Dès que la situation ça, eh bien, pour que ça ait les velléités pour nous tourner dans la dictature encore. Nous demandons, pressé, pour des décisions qu'on va prendre pour que nous joignions en tant que national. Avec toute couche qui est dans le pays, pour nous organiser de bonnes élections, pas avec moun, nous seul moun choisi, non? Nous croyons que c'est élu qui pour remplacer élu. Mais, faut moun yo choisi pour KEP yo, yo bien choisi. Yo, faut tout moun, toute couche sociale yo, qui qu'on a habitué pour les représentants yo, pour les représentants yo. Nous pas là pour anarchie, nous pour la démocratie. Mais faut ça faire bien. Donc, nous faisons appel à tout peuple tabac. Nous venons M. Palvé qui organise la conférence. Nous venons en appui à M. Palvé pour la conférence. Et nous demandons tout peuple tabac. Connaît qui est ce monde qui boit hôtel et qui est ce monde qui veut prendre défense. Li. Merci. Et après, fin mandat, ancien président Jovenel Moïse, 7 février 2021. Fin passé, il déclarait tête lui comme autoproclamé tête lui comme un dictateur dans le pays d'Haïti. Et nous pouvons regarder la déclaration ancien chef de l'État fait devant la tribune des Nations Unies. C'est une honte pour la République. Les nous attendons discours
li fait à l'envers. Nous sentons nous-mêmes, nous pas besoin de l'école. Sans la droit, nous clair ces paroles ont apprenti dictateur. Nous saisissons des apprenti dictateur qui déclarait journaliste nous yo qu'a informé qu'a informé peuple population haïtien que ces bandits oui. C'est plutôt liberté la presse, il pas voulait passer. Ensemble organisation tankou Tabarini vision populaire tout haïtien mouvement pour ça changer appuyer marche secteur protestant à faire dimanche 28 février. C'est pour nous dire non à kidnapping, vol, viol, corruption qui a été dans le pays d'Haïti. Mais nous considérons que ce kidnapping et sécurité, gros goût, misère, inflation sous l'économie noire, c'est héritage du pouvoir. PHTK qui gaspillait tout rêve de nation. Ensemble, organisation opposition démocratique, les voyons au bureau de vos communautés internationales pour dire non, nous parlons de dictature. Après 28 février 2021, nous prenons rentrer dans la désobéissance civile de l'ancien président Jovenel, pas quitter le palais national. De ce fait, puisque nous en bas en dictature, nous regardons comment une invitation faite pour député sénateur Nedel Kassi. Même nos véritable confusion que mieux, de CPJ invité sénateur Nedel Kassi, responsable opposition au secteur démocratique là. Mais il n'y a pas de courage pour te inviter Martine Moïse, que Jovenel Moïse accusé directement dans la mort de Doval, au bâtonnier Sinop. Que le président, ancien président de la République, lui-même personnellement, il dit que on vidéo passée à 17h13, à 17h15, madame Mangueta Mondremuel, que le dit c'est honnête. Vous voulez assassiner ces madame avec monsieur. Je dis, nous comprenons très mal pour des CPJ de courage pour éviter un monde qui a boumé pour changement, et puis de courage pour éviter un monde qui fait crime. Nous comprenons que des CPJ sont indépendants, mais c'est très malheureux. S'il est indépendant, bon garanti justice ta blaye dans le pays parce que yo ka arrêté moun. Là nous parler de madame Laline. Madame Laline, nous pas besoin occuper déclaration madame Laline parce que madame Laline lui-même, il pas à terre sans l'ailier. Laline. Puisque elle est, il pas capable comprendre ça qui a passé sous terre d'Haïti. C'est ça que fait. Depuis 1986, nous finissons avec sacré les dictatures. À part dictature, nous tous te prenons courage. Nous te prenons pour dictature. Le président dit pas de dictature. Pendant ce temps, nous ne pouvons pas aller. Nous ne pouvons pas marcher. Il dit que les journalistes ont déguisé en robe pour dire que les journalistes sont canuriers. Même moi, le président, ancien président. C'est ça qui fait nous faire choix. Président provisoire, président mécène Joseph. Lui, bon président, bon président. Parce que normalement, cette dernière transition, nous, c'est une transition de rupture pour nous changer état pays. Pour nous changer, Jean peuple haïtien à vivre là. Insécurité à Cap-Blaye, c'est parce que pas le président. Si tu es bon président, je garantis que tu as battu. Comme président Jovenel. Ancien président Jovenel. Merci. Comme ancien président Jovenel.
déclaré à la presse. Il dit que je te fais signer 50 mandats de juge corrompu. La France, l'île campé. Je dis, c'est ça qu'elle fait preuve. Même jour qu'il était pouvoir 7 février, il fait bien coup de cassation. L'arrêté juge coup de cassation. Il sortit arrêté et nommé l'autre juge. Il y a un crédit électoral qu'elle formait. Décret sous décret. Même moi, l'ambassade américaine, ça trop tard. Vous l'avez dit, trop décret, trop arrêté présidentiel. Nous-mêmes, peuple Kaboumé, citoyens d'abord, citoyens du monde, nous demandons aujourd'hui, demain vendredi, peuple là-bas même sous ça, nous avons rendez-vous devant des CPJ. Pour supporter l'invitation macabre ça que des CPJ fait pour faire gouvernement plaisir, l'inviter sénateur Nenel Kassi. Dans l'invitation, ça, moi, trois barres là-dedans. Premièrement, le directeur de CPJ a fait juste pour ne pas désobéir à gouvernement de facto. Deuxièmement, il fait pour faire un secteur qui croit dans le plaisir. Troisièmement, il fait c'est pour assurer que dimanche, dans le secteur protestant, après la rue, avec tout ça, nous connaissons, pour ne pas avancer. Je toujours dit, tout ça qui a passé, les gens évangélistes ne peuvent pas dire rien. Mais pour sensibilité de cœur, ils ont prêché la liberté, ils ont prêché la vie. Je dis, c'est un protestant grand. Depuis la terre, depuis la terre. Et je pense, comme demain, il y a Babi et Nègre en robe, avec Sam, vous voyez 28 là dans le marché. Protestant fait. C'est ça que fait. Puisque nous gagnons, nous qui dans le comité protestant, nous gagnons deux gros taureaux. Nous gagnons. Pasteur Gérald Bataille. Qui trouvait Gérald Bataille qui gagnait l'église li. Nous gagnons l'autre gros taureau qui c'est Pasteur Forge qui trouvait dans tête tabac. C'est ça que fait nous-mêmes. Organisation tabac. Nous demandons dimanche. Pasteur Forge pas sorti simplement avec l'église. Pasteur Forge pas sorti simplement avec bien simplement. Nous voulons moun tabac, moun kwa de bouquet, c'est accompagner pour aller côté nous de l'Église. Merci. La salue la presse parlée, écrit, télévisé et en ligne. Présence pour même femme dans la conférence, c'est pour nous protocoler dans le match qu'a fait contre dictature dimanche 28 février. Ça. Pour nous chercher délivrance, nous. Nous connaissons obstacle sur route là. Délivrance là, obstacle nous, c'est Jovenel Moïse avec Apolli Clio, Bini avec OEA. Nous connaissons un gros complot pour les haïtiens. Mais nous avons résisté parce que les ancêtres nous ont tracé route là pour nous déjà. La vie nous, les haïtiens, c'est un combat sans arrêter. Dans la délivrance longue, Jovenel Moïse qui a continué à touiller, emprisonné, kidnappé, mais la délivrance nous a fini quand même. C'est le message, nous-mêmes, femmes tabahini, nous portons pour le peuple qui a bataille. La bataille est longue, mais nous avons privé quand même. C'est dans ce sens, nous demandons tout le peuple tabah. Tout le monde quoi des bouquets. Mettez pieds nous à terre dimanche 4 28 février hein, pour nous apporter une réponse. Bye, communauté internationale. Là, pour nous dire que nous grand monde tête nous capables besoin d'accompagnement. Mais nous n'avons pas qu'à décider pour nous. C'est nous-mêmes, peuple haïtien, qui compte leur mandat au président fini. Nous dit que
président Jovenel Moïse, mandat fini. Et nous-mêmes, peuple haïtien, nous avons campé pour nous dire que nous ne pouvons pas tourner dans la dictature encore. Jamais, 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 jamais. Parce que, je dis, ça nous est passé dans la communauté, nous, côté journaliste pas épargné. Pas de monde qui est épargné, pasteur pas épargné, ou gang pas épargné. Nous-mêmes, femmes, c'est nous qui portons tout chaillot. Là, nous avons kidnappé petit, nous avons kidnappé mari, nous. Nous-mêmes, nous sommes portés mi-temps dans la société. Et pour ça, il pèse en pile sous dos. Nous demandons aujourd'hui que tout le monde dans la communauté tabac mette pieds nous à terre pour nous capables d'arriver à joindre ça n'a pas cherché. Parce que faut nous délivrer dans le complot ça qui monte pour nous. Merci. Non, non, secteur démocratique et populaire. Nous saluons la population tabac et qui eux-mêmes en responsabilité pour porter support avec beaucoup de chaînes de manifestation que l'église protestante chrétienne lancée pour date cap 28 février. Manifestation cap fait pour dire non à dictature, pour dire non à kidnapping, pour dire non à persécution politique. Manifestation cap fait pour demander respect Constitution paysan, respect à l'article 134.2 en ma loi pays. Nous constatons le pouvoir de facto Jovenel Moïse, le pouvoir illégal, illégitime Jovenel Moïse, déclenché une persécution politique sur la forme en d'un pays. Je dis, non seulement il y a une pression qui a fait sous des dirigeants politiques tant que Chilé Luidor, tant que ancien député Deus de Honnête. Mais machine répression a plus loin toujours, côté le petit point net, elle a utilisé un gros appareil, une grosse institution dans le pouvoir judiciaire, qui c'est DCPJ, pour persécuter un gros dirigeant politique, nous connaissons, qui c'est sénateur Nenel Kassi. C'est bien pour te calculer. Nous reconnaître le pouvoir ça sous l'autre. Jovenel Moïse, il a été arrêté illégalement et arbitraire. Sénateur Nenel Kassi, dans le département NIP, en dans direction départementale police, pendant qu'il était accompagné du directeur départemental. Là. Et il n'y a pas de pièce document de justice dans le même. Il n'y a pas de pièces motifs d'arrestation et sous pression de la population, ils ont été obligés de libérer le sénateur Nenel Kassi sans condition. Et je dis à nous, machine répression Jovenel Moïse, machine répression gouvernement de facto, ils continuent à perdre frein net à l'aile déclenchée à partir de DCPJ une persécution politique contre Nenel Kassi. Nous disons c'est bien compté, mal calculé. C'est Nenel Kassi, son militant politique qui gourmet en d'un pays qui fait non et qui pas décidé marron pour vagabond, pour dictateur, pour corrompu, pour criminel sans foi ni loi qui est en tête de Jovenel Moïse qui s'est au défaut contre le pays. Et bien, il décide de concert avec le secteur démocratique là, pour le répondre à l'invitation de CPJ Fellan, malgré toute forme, toute intimidation, tout plan qu'il a essayé de faire, pour avoir un motif, pour avoir un dossier pour mettre sous nom sénateur Nenel, sous don Nenel. Nous demandons à la population pour le répondre présent. Demain, si je vais côté, il y a bien pour aller de CPJ. Puis accompagner sénateur Nenel Kassi. Nous demandons Moun Taba, puisque DCPJ la Kayo, et DCPJ, je ne dis pas, presque failli à mission, parce qu'elle servit, je ne dis pas, comme un outil répressif pour voir en place pour persécuter dirigeants politiques. Donc nous demandons la population haïtienne, nous demandons Moun Taba, nous demandons tout le monde
pour rester veillatif et demain n'a accompagné sénateur Nenel Kassi. Nous voulons profiter espace ça tout dans nom secteur démocratique là, de concert avec table concertation tabac pour nous porter un appui sans condition à gros mouvement, gros mobilisation, gros manifestation qui lancé pour dimanche 28 là, qui vient pour objectif à dire non contre dictateur, à dire non contre kidnapping. Kidnapping d'État, insécurité d'État, rançon d'État. L'État a rançonné les gens à travers kidnapping. Quel que soit le monde qui a kidnappé en un pays, quel que soit le rang social, li, eh bien, li gagne, on l'argent pour le bail, sinon, il a exécuté. Nous, quand regardons dans quelles conditions, on petit monde, 5 ans, il n'y a pas accusé de politique. Yo pa ka accuser de rien en d'un pays, yo innocent, yo kidnappé. Après que yo mandé maman $4,000 américains que maman pa ka bay, et bien yo tout fait ti moun ça. Et bien ça révolté conscience pour tout en d'un pays. Pendant li révolté conscience tout pour tout l'autre monde qui victime des actes kidnapping en d'un pays pour raison ou pour l'autre, yo été silence. Monsieur trop à tort. Nous mandé peuple haïtien pour lever grand monde dimanche 28 là pour le sortir, pour le faire respecter en loi pays, constitution et pour la communauté internationale là, spécialement les États-Unis d'Amérique, cap supporter corrompu, yo le Jovenel Moïse là, criminel sans foi ni loi, yo le Jovenel Moïse là, pour aller dire non, c'est trop pas tort, pour aller dire pour le plier bagage li, pour aller pour le suspendre kidnapper peuple haïtien. Sénateur John Joseph, nous constatons que nous avons un deal qui peut être fait entre le gouvernement dominicain et le gouvernement haïtien dans le souci pour être capable de faire et entre ancien et magistrat Louis Chevry avec deux Dominicains qui kidnappés selon le journal dominicain Christian Hidalgo. Qui sont capables de faire? En 2019, nous sommes à la conférence. Moi, je dis que kidnapping, c'est le kidnapping d'État. Mais la société a méprisé ça. Sorti 2019 pour arriver 2021, il y a une pile d'actions qui posaient pour le kidnapping qui a fait, c'est le kidnapping d'État. Là, il a kidnappé un citoyen de la rue, il a kidnappé sous machine qui a une plaque service de l'État. Il a kidnappé avec des hommes armés lourdement avec uniforme de la police sous eux. Donc, kidnapping non, sont kidnapping d'État. Là, ils ont kidnappé deux Dominicains avec les étudiants, ça, nous connaissons qui t'accompagnent comme interprète. Eh bien, Jovenel Moïse va garantir avec l'État dominicain que rien mal pas privé de Dominicains. Il y a une raison qui fait qu'on connaît, pas qu'il y a rien mal qui privé et a sorti sain et sauf. C'est parce que c'est lui qui kidnappe. C'est parce que c'est lui qui contrôle kidnappe. C'est parce que lui compte côté, il séquestre. Donc je dis, Jovenel kidnappe deux Dominicains pour le capable de faire un deal avec le gouvernement dominicain pour le capable de joindre. Pour extrader Bali, Youri Chevry, qui sont militants politiques et qui étaient obligés de courir quitter le pays pour Jovenel Moïse. Pas assassiné. Nous demandons au peuple haïtien pour le sortir dans le silence, pour lever camper en un seul homme, en une seule femme, pour prendre responsabilité, pour couper contre l'équipe criminelle dans tel pays. Nous profitons du moment pour nous dénoncer le silence du secteur privé. Homme d'affaires, c'est le seul secteur dans le pays qui n'a pas prononcé sous des pages Jovenel. Qui ne veulent pas reconnaître que 7 février 2021, c'était la date fin mandat Jovenel Moïse. Nous demandons pour sortir dans le silence pour le peuple ne pas poser aux questions. Nous demandons pour prendre la route, même gens à la Fédération des barreaux, même gens avec l'Église catholique, même gens avec l'Église protestante, même gens avec l'université, même gens avec la classe politique. Nous demandons au secteur privé, nous demandons aux hommes d'affaires,
yo sorti dans silencio, yo capable de libérer le pays des assassins criminels illettrés qui ont tête pays que le journal Moïse.